April, quand il y a du changement comme ça, est toujours bien placé, parce qu'on est en général plus réactif que les autres. D'ailleurs, les premiers à réagir par rapport à l'année, ça a été April, hein. Vous l'avez peut-être remarqué, via la PAC, bon, on a été très très offensif, beaucoup plus que nos confrères. Donc j'ai tout à fait confiance dans les capacités des équipes à intervenir très très vite pour pouvoir profiter de cette évolution de marché. Donc on est en train de se mobiliser. On a tout ce qu'il faut pour appréhender les petites entreprises parce que c'est un petit peu notre cœur de métier, donc la TPE. On pratique ça depuis une vingtaine d'années, donc on connaît bien ce monde-là, puisque l'ANI concerne essentiellement de la TPE, hein, c'est les petites, très petites entreprises ou petites entreprises, puisque les grandes sont déjà équipées en assurance collective. Donc on a tout ce qu'il faut pour approcher ces marchés, et par les réseaux de distribution directs du groupe, et par les courtiers. On a 3 000 courtiers qui travaillent avec nous sur les assurances collectives, donc on a un bon maillage du territoire pour aller visiter ces nombreuses entreprises qui sont pas équipées. Donc on va aller très très vite. On est très réactif, on a les produits, on saura faire les produits socles qui sont prévus par l'accord national interprofessionnel, et on a aussi les produits de surcomplémentaires, et tout ça on sait les gérer, puisqu'on a des outils qui permettent de gérer le collectif et la surcomplémentaire associée, tout ça évidemment avec le concours majeur des courtiers spécialisés en assurance collective.